Il y a vraiment plein de caisses de flics là. Il y a pas trop, les gars. Putain, merde, il vient de sortir le chien là. Mais ça part mal. 2, 1, let's go! Moi j'ai tout avec lui. On se prépare pour sauter d'un toit dans une piscine publique. On était en train de faire des petites recherches sur Google Earth pour chercher des roof gaps, des spots de parcours. Et on a vu qu'il y avait une piscine à l'air libre. Déjà, il y a genre un grand bassin et juste à côté, il y a un toit. C'est pas très très précis, mais il faut qu'on aille voir. Dans l'idée, c'est faisable. Sauf qu'on sait pas s'il y a vraiment du fond. Et du coup, je sais pas, Léo, il fait une dinguerie, il se met en mode B2C là. Il a sorti la petite cravate. On dirait qu'il va au mariage. Tout ce qu'il faut. Ah, il est stylé. Là on va grimper dans une piscine, sa grand-mère. Et y a un chien, mais faites gaffe monsieur. Ça va courser, ça va arder ici. Y a un chien. Ouais, y a un chien. Pas peur. On a débarqué pour monter sur le toit. Et en fait, y a plein de gamins qui se sont ramenés en mode ouais les gars, on va vous faire monter et tout. Du coup là, on est en train d'arriver à Clermont, on est je sais pas 20-25 quoi. Ça va être n'importe quoi. Moi je vous montrer le bon sac. Hein. Chut. 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 Discret les gars, discret. Chut. Sautez directement sur toi les gars. Ouais. Ouais. C'est une dinguerie ce qui se passe. Je crois que le gardien il a lâché le chien. Monsieur il est monté. What? Ah ouais c'est chaud. En fait le chien là il était bloqué par une barrière. Mais en fait si on saute dans l'eau je crois qu'on est foutu, il va venir nous chercher. Mais là l'effet de groupe ça donne envie de sauter direct. Tu cherches une entrée stratégique Florian? Mais non, parce que la dernière fois on est venu par là. Et il y avait 1 million de gosses. J'ai envie d'arriver par l'autre côté. Aujourd'hui, on va retester de faire une piscine vandale. On va réussir parce que la dernière fois, il y avait des enfants. En fait, c'était une trentaine. Du coup, c'était terrible pour sauter. On était cramés direct. La rue est barrée par les keufs. On sait pas pourquoi, mais du coup, Si, je sais, en fait, je crois. C'est quoi? C'est le premier, mais on vend pas du muguet, un truc du genre. Non, j'adore. Vas-y, bah on annule, il y a du muguet. Il y a du muguet. C'est pour rendre vite. Il y a vraiment plein de caisses de flics là. Ça va être très très chaud de s'en sortir sans problème. Je pense que là, on va rentrer par un endroit un peu devant, mais un peu caché. Parce que de toute façon, il n'y a pas les gosses, du coup, il y a ça en moins. Au moins, il n'y a personne qui va nous suivre. C'est la pire idée. Du coup, c'est la meilleure. Ouais. Premier obstacle est passé, maintenant faut réussir à monter sur le toit. C'est chaud, hein. On dirait qu'on est dans un jeu vidéo, on doit esquiver les flics. Bon là c'est le dernier obstacle et après on est sur le toit qui mène directement à la piscine. C'est de là où on va sauter si on le sent, ça part clairement. On voit les flics en fait d'ici. Ouais, de là-bas. Je vais vous montrer un peu le drop. Oh, le béton il est chaud. On dirait vraiment, vu d'en haut, comme l'eau elle est toute claire, ouais. Et ben on dirait vraiment qu'il n'y a pas de fond. Sur on dirait même qu'on a pied. Dans tous les cas, faudrait qu'on aille faire une coulée. On a regardé sur internet et on n'est pas sûr, mais je crois qu'il y a 2m25 ou 2m15. Du coup, c'est un peu chaud en sachant qu'on fait 2 mètres les bras levés. Qui est pas sûr de sauter va faire la coulée, je dirais. Moi je suis sûr de sauter, du coup je fais pas la coulée. Mais lui. Moi je vais faire la coulée en vrai, moi ça me dérange pas, je vais pas sauter. J'espère juste qu'il n'y a pas le garde qui est là. On est le 1er mai, ce serait dommage qu'ils soient en train de taper en vrai. Même pour lui ce serait dommage. Ouais. En fait il n'y avait pas beaucoup de fond, ça fait trop trop flipper. Tu sautes et tu t'assois de ouf dans l'eau ou tu fais un gros placu où il y a un truc à gérer. Mais mieux vaut prendre une belle fessée que deux talons qui sautent. Enfoiré. Genre là à 7 mètres on va peut-être descendre à
2,50 et ça va être chaud quand même quoi. Enfin je sais pas s'il y a 7 mètres en fait. Cette mission c'est le doute incarné. Bon au moins, je pense que tu vas être embauché. En fait j'ai une petite entretien d'embauche après la session. Donc je me suis mis avant parce que j'avais pas le temps de rentrer à l'appart entre temps. C'est ça la Wizy hein. Comme on n'a pas beaucoup de thunes, bah direct après les tournages, ça charge du taf. Et au centre là, le plus proche ? Ouais, c'est chaud. Moi j'ai quand même bien envie de le faire. Mais en vrai l'eau ça faut juste vraiment arriver. Dégueulasse. Bon allez moi j'y vais là, j'ai trop envie de sauter, ça part. Mais arrive bien dégueu par contre. Faut se forcer en fait à faire un plat. Et bah c'est pas dans nos habitudes. Nous normalement on arrive clean quoi, histoire de pas se faire mal. Bon là c'est chaud, il y a un garde qui est là. Je crois qu'il nous a vu sur le toit. Je sais pas s'il nous a vu. Là on est en mode, on est en train de se cacher, on est presque allongé sur le sol. Et bah on va essayer de le faire dès qu'il a le dos tourné. Putain merde, il vient de sortir le chien là. C'est chaud. Sauf que si on saute, et bah il va peut-être lâcher le chien, donc ça fait un peu peur. Non mais ça part man. Ok, je crois que ça part. Ouais, c'était neuf, j'ai tellement kiffé. En plus le vigile il est trop sympa, il nous a dit ouais y'a pas de problème les gars et tout. Il a laissé le chien à l'intérieur parce que sinon ça aurait été une galère. Bon ok, y'a Matt qui vient de sauter, c'est à mon tour là. Il a fait un plat cul en fait, ça a trop bien marché. Oh, ça fait monter la pression comme jamais, putain. Ok bah let's go, ça part. Le mec, le garde il est cool en plus, du coup j'y vais. 3, 2, 1, go. C'est vraiment une dinguerie, il y a le garde qui nous laisse sauter dans la piscine du toit. C'est vraiment la meilleure life, enfin, c'est fou. Ouais, franchement, très agréable. Oh mec. C'est juste pas naturel de se mettre sur le côté à la fin, mais franchement, ça l'a fait, on n'est pas du tout allé profond. Je crois que je suis même pas allé à 1m50. Avec plaisir, les gars. C'est génial. T'as laissé le chien enfermé là, sinon ça aurait été compliqué. Ouais, vous aurez coursé le chien. Oh non. Ah non, ça aurait fait trop peur. Ça vous dit pas de sauter. C'est tentant, tu vois. Ah, c'est tentant. Bon, il y a Léo Cerf qui va partir là. Ça va être stylé. Allez, Léo. Ça va le faire, Léo. Le petit trauma du cliff qui revient là. Ouais. Mais ça va le faire. Ouais. Ça part, les gars. Ça part. Ah, fuck. Ça monte. Allez. Bon, Léo, là, il a un peu peur. En vrai, ça se comprend. Mais je pense qu'il va le lancer. Hein. Il y a moyen. Go! J'ai une guérison là, j'étais traumatisé du cliff en 6 mois là. Ouah, son test dive il était incroyable en vrai. Oublie chef, l'entretien d'embauche c'est fini ça, c'est cette life là maintenant. Hop, retour au collège, petite casquette, ça me va pas, ça part direct. 3, 2, 1, let's go. Moi j'ai sauté avec lui. Allez. Oui.
le bonheur, ce genre de live. Ah mais c'est fou quand même hein. Avec grand plaisir les gars. C'est vraiment un génie Kevin, grâce merci. À toi. Merci. Ah, ouais. Big up au meilleur agent de sécurité de la piscine municipale. C'est la fin de cette vidéo. On est tout trempé, on est avec Kevin, le meilleur garde de tout le sud de la France. Ça régale, franchement. Abonnez-vous, mettez la cloche, tout ce qu'il faut, tout le ce qu'on like, putain, mais on le vous petit aime. Commentaire. À dimanche prochain. Allez, allez, allez.